C'est à quelques centaines de mètres de l'école Taïmoana, dans le parking d'un magasin, que l'accusé a abordé l'une de ses victimes. Heureusement, une de ses amies est là et lui crie depuis la porte de ne pas monter dans son véhicule. Et comme il y avait une dame dans sa voiture, dans le parking et tout, était sortie à ce moment-là pour savoir ce qui se passait et tout. Et c'est là que l'accusé a pris la fuite comme ça. Et puis voilà. Donc ils ont couru à l'école pour voir la maîtresse, leur maîtresse et tout, et a raconté les faits. La plainte fait le tour des services de police et de gendarmerie et vient recouper d'autres signalements. En tout, 3 fillettes ont été abordées, dont une qui a subi des attouchements à caractère sexuel en janvier dernier. C'est une jeune enfant qui est âgée de seulement 9 ans, qui est tout de même un peu marquée par les événements, hein, puisque bon, il y a eu des circonstances tout de même assez précises. Aujourd'hui, le prévenu comparaissait pour la première fois dans cette affaire. Nous avons demandé sa remise en liberté en attendant le jugement, essentiellement parce qu'il a une famille et il doit subvenir aux besoins de sa famille. Mais le tribunal a rejeté cette requête et statué pour le maintien du prévenu en détention provisoire dans l'attente de son jugement. Il y a plusieurs raisons qui justifient qu'il soit maintenu en détention provisoire. D'une part, il a déjà été condamné à plusieurs reprises. D'autre part, il y a un certain risque de récidive qui est évoqué. Et enfin, bon, pour sa propre sécurité. 3 semaines, c'est le temps dont dispose désormais la défense pour étudier le profil de son client et tenter de convaincre le tribunal qu'il ne mérite pas les 10 ans de prison ferme qui peuvent sanctionner ce genre de crime. L'essentiel à chaque fois, c'est d'arriver à avoir une peine qui est adaptée aux faits, qu'il n'y ait pas une trop forte sanction par rapport aux faits commis, ni trop faible. Je ne comprends pas pourquoi le fait qu'il vient d'être papa et après qu'il fait ces actes-là, non, moi je ne peux pas comprendre. Et puis voilà. Jugement le 16 juin prochain.